ça montre notre compassion, notre solidarité, puis qu'on est une ville mature, puis il y a un événement tragique. Mais je pense que c'est beaucoup de ces gens-là, c'est pour les sympathies des familles, ouais. Mais aussi pour la ville. C'est sûr que l'événement, c'est pas une question d'argent. On voulait pas que le monde paye pour rentrer. On ne voulait pas ramasser les fonds. Il y a déjà 3-4 millions à ramasser via Philanthrope Québec pour la cause. C'est vraiment de créer une discussion puis de montrer à la ville de Québec qu'on est capable de venir ensemble quand c'est nécessaire. Puis je trouve un événement comme ça, ça devrait être quelque chose de... Pas juste qu'on a des événements tragiques, mais d'inclure toutes les cultures, puis ouvrir le dialogue, puis arrêter. Des fois, on est trop en train de vivre en parallèle, puis ça va, on devrait avoir plus des activités comme une ville pour avoir les participations de toutes les cultures. Parce que là, il va y en avoir là, des artistes d'un peu toutes les cultures. Parle-moi un peu, là. Regarde, j'ai fait mes recherches. Je ne voulais pas que ça devienne un genre de un red carpet comme We Are the World, puis avec toutes les gros stars. Je voulais que les artistes de la ville de Québec, fait que moi, je les contactais personnellement. Chaque artiste était con. Puis il y a des artistes qui ne peuvent pas être là. J'aurais souhaité que Gab Chang soit là. Men I Trust, il y a certains groupes que je trouve que c'est important pour la scène musicale, mais ils sont occupés, puis ils ne pouvaient pas. Il y a d'autres grands artistes, comme Bruno Pelletier, il a grandi à Québec. C'est super important. Il y a tous les artistes là, il y a un lien avec Québec d'une façon ou d'une autre. Puis c'est très important. Il va y avoir la musique arabe, la musique chinoise, le vietnamien, le juif, on va avoir le clésimère un peu, la musique du monde, latin, et bien sûr. Il va y avoir des discours entre des artistes qui ne sont pas habitués nécessairement à jouer dans les ensembles comme ça. Fait qu'il va y avoir des moments de magie. C'est un statement en fait que ça montre que le dialogue, ça se passe entre les cultures, pas juste dans les épiceries, dans les restos, mais au niveau musical, dans la rue, dans les parties, c'est important. Merci.